Bonjour à toi et bienvenue, j'espère que tu vas bien. Aujourd'hui, je te propose de voir le morceau With or Without You de U2. Morceau, comme d'habitude, expliqué de manière simplifiée. D'accord ? Comme tu as pu voir dans la démo, j'ai fait une partie du morceau ici et après, je me suis déplacé là. Donc, je vais te montrer deux façons de jouer ce morceau. À savoir une façon qu'on va dire conventionnelle, à savoir que si tu tapes tuto guitare with or without you, t'auras, dans 95% des cas, tu auras cette façon là. Bon, je vais te la montrer quand même, mais on va y passer, on va la passer rapidement. Par contre, je vais te, et à ma grande surprise, j'ai pas vu cette manière là, je vais te montrer le morceau en intégrant les power chords. Je t'en dis pas plus pour l'instant sur les power chords, on verra ça dans la deuxième partie de la vidéo. Et tout à la fin de la vidéo, je te montrerai la petite intro que je fais. Voilà. Écoute, c'est parti, je te montre d'abord les accords de la première manière. A tout de suite. Donc, pour la façon numéro 1, nous allons avoir les quatre accords suivants. Le Ré majeur. Je te laisse regarder le diagramme d'accord. Ré majeur. Qui va être suivi par un La majeur. Ok. Ensuite, nous aurons un Si mineur. Et quatrième et dernier accord, nous aurons un Sol majeur. Alors Sol que tu peux faire en accord ouvert comme ça ou en accord barré. Et en effet l'accord barré peut être intéressant, notamment ça te fait garder la même position que le Si mineur, mais tu montes tes doigts d'une corde et tu te déplaces d'une case vers la droite. Donc tu étais en Si mineur là. Voilà. Ok. Voilà pour les accords. Au niveau de la rythmique, nous allons avoir une rythmique un peu percussive comme ça, à savoir que des coups vers le bas. Nous allons avoir 8 coups vers le bas par accord. Et tu vas marquer l'accent sur tes coups sur le premier temps, le quatrième et le septième. Donc ça donne ça. D'accord ? Je te fais un enchaînement d'accords. Après, libre à toi de soit le jouer en palmute. Donc palmute, c'est-à-dire que la paume de ta main va venir là sur ton scié, d'accord, au niveau de ton chevalet là, tu la laisses traîner sur tes cordes. Donc en palmute, ça donne ça. Donc voilà pour, et en fait tu fais ça sur tout le morceau. Donc voilà, manière plutôt, façon plutôt simple de jouer le morceau. Maintenant je vais te présenter une deuxième façon, moi, que je trouve intéressante de jouer ce morceau. Et si jamais tu as du mal avec les accords barrés, et ben ça, cette technique va te sauver la vie. Donc on va aborder les power chords. Ça, c'est un power chord. Donc la traduction, c'est un accord de puissance. C'est beaucoup utilisé notamment dans le métal. Métal, c'était aussi utilisé dans la musique punk et tout ça.
On t'a toujours dit qu'un accord traditionnel, tu avais la fondamentale, la tierce et la quinte. Donc dans un accord, tu es censé avoir au moins trois notes. Là, les power chords, on déroge à la règle et en fait, on va avoir que deux notes, la fondamentale et la quinte. En fait, on va avoir trois notes car souvent la fondamentale est doublée à l'octave au-dessus. Ce qui est impératif quand tu abordes que ce soit les barrés ou les power chords, il faut absolument que tu connaisses tes notes sur les deux plus grosses cordes, à savoir le La et le Mi. D'accord? Ça, c'est fondamental. Pardon. Et si tu ne sais pas de tête toutes tes notes, il faut au moins que tu saches les notes majeures. Qu'est-ce que j'appelle comme note majeure? C'est Do, Do, Ré, Mi, Fa, Sol, La, Si, Do. Donc, le Do, bah, tu vas le trouver sur ta troisième case, corde de La. D'accord? Donc, si on fait toute la corde de La, tu vas avoir le Do ici. Tu vas aussi avoir le Si, qui est en deuxième case, qui est intéressant de. Tu vas souvent l'utiliser. Donc, tu as le Si. La case d'après, tu vas avoir le Do. En cinquième case, corde de La, tu vas avoir le Ré. En septième case, tu vas avoir le Mi. En huitième, le Fa. Et on ira rarement au-delà. Donc tu vas avoir le Sol en dixième case, corde de La, mais le Sol, on va plus aller le chercher ici. Donc on vient de voir les notes principales sur la corde de La. Sur la corde de Mi, tu vas avoir le Fa en première case. Voilà. Ensuite, tu vas avoir le Sol en troisième case, le La en cinquième case, le Si en septième case, le Do en huitième case, et après tu vas avoir le Ré qui est en dixième case. Mais c'est pareil, on va rarement aller chercher les accords barrés ou les power chords à ce niveau-là. Ok? Astuce intéressante à maîtriser, souvent sur ta guitare, je ne sais pas si tu vois là, mais tu vas avoir des points sur ton manche. Et souvent tu vas avoir un point à la troisième case, cinquième case, septième case, neuvième et douzième case. Voilà. Et ben déjà, quand tu sais que sur ta troisième, donc sur ton premier point qui est en troisième case, tu as le Sol en dessous le Do. Ok? Cinquième case, tu as le La et le Ré. Septième case, tu as le Si et le Mi. Ok? Après, 9e case, on va être sur Do dièse et Fa dièse. Ok? Mais voilà, les trois premiers points, donc en 3e, 5e et 7e case, il faut absolument que tu connaisses les notes sur ces deux cordes. C'est fondamental. Donc, je te disais, comment faire un power chord maintenant? Par exemple, sur le morceau présent, on a un enchaînement d'accords qui est Ré, La, Si mineur, Sol. L'avantage des power chords, c'est que tu n'as plus de mineur ou majeur. Parce qu'en fait, tu n'as pas de tierce. D'accord? Donc en fait, les accords vont être Ré 5, La 5, Si 5, Sol 5. Voilà le nom des accords en power chord. Pour faire un power chord, donc tu joues ta note fondamentale. Donc là, le Ré, il est en cinquième case, corde de La. D'accord? Ensuite, ta quinte, elle est deux cases vers la droite et la corde du dessous. D'accord? Et tu peux rejouer ta fondamentale qui est juste en dessous de ta quinte. Voilà. Donc en fait, souvent, tu vas utiliser trois doigts. Par contre, il ne faut pas que les autres cordes sonnent. Donc, quand tu fais un power chord sur la corde de La, eh ben, l'idée, c'est que le bout de ton index vienne toucher la corde de Mi sans appuyer dessus.
faut pas que le son sorte. Donc voilà, tu la mutes. Et il faut que ton index soit un peu penché de façon à ce qu'il soit en contact avec les autres cordes, mais sans appuyer dessus. Faut pas que les cordes sonnent. Donc en fait, tu dois entendre ce son-là. Pardon. Et les cordes en dessous sont mutées. Ok ? Donc là, tu as ton power chord de Ré. Ton power chord de La, eh ben, il est juste au-dessus. Donc tu montes tes doigts d'une corde. Si il est deux cases sur la droite et Sol, il est troisième case, corde demi. Donc en fait, si je reprends, ça te fait ton power chord de Ré qui est sur le ta corde de La en cinquième case, ton accord de La, ton accord de Si, ton accord de Sol. Ok. Et même technique que les couverts bas. Donc ça donne ça. Et quand tu joues un power chord, tu essaies de jouer les trois cordes qui sont concernées. Tu évites de tout gratter. Donc voilà, je viens de te montrer les power chords. C'est vraiment une technique intéressante parce que ça t'évite de faire des barrés complets où tu pourrais être embêté. Voilà, quand tu as un barré, tu peux souvent jouer un power chord et ça passe. Ok ? Voilà au niveau power chord. Maintenant au niveau de la petite intro que je fais que j'ai fait en début dans la démo, tout se fait sur la corde de Ré, à savoir qu'on va avoir une mesure de Ré, une mesure de Ré sus 2, une autre mesure de Ré et une mesure de Ré sus 4. Et cet enchaînement, je le fais deux fois. Et là, je joue tout en aller-retour. Donc, ça donne ça. 1 et 2 et 3 et 4 et 1 et 2 et 3 et 4 et 1 et 2 et 3 et 4 et 1 et 2 et 3 et 4 et... Voilà pour ce morceau, comme tu peux le voir, pas très compliqué. Tu choisis, soit tu le fais de façon traditionnelle. Par contre, tu vas avoir le Si mineur qui peut t'embêter si t'es pas encore trop à l'aise avec les barrés. Ou sinon, voilà, peut-être l'occasion de s'entraîner sur les power chords, qui sont. C'est vraiment une technique intéressante à mettre en place dans ton jeu. Voilà, si tu as des questions, n'hésite pas à me laisser des commentaires. Si j'ai pas été assez clair, s'il y a des choses que tu n'as pas bien saisi, n'hésite pas à me le dire. Je reviendrai dessus, il n'y a pas de souci. Voilà, si la vidéo t'a plu, bah, laisse un pouce bleu. Et puis si c'est pas fait, je t'en prie, abonne-toi. Moi je te dis à très vite pour d'autres vidéos. Ciao.